Après un an de préparation, c'est le grand jeu. Rendez-vous à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, direction Dublin, où nous allons prendre une voiture de location pour faire 1h30 à 2h de route et se rendre dans le comté de Lettrim, à Manoremanton exactement, où nous avons trouvé un gîte. Nous préparons ce voyage depuis plus d'une année. Nous avons établi nos lieux de pêche qui se passeront dans le comté de Sligo et de Mayo. Effectivement, nous partons à 13, un nombre important, et nous avons décidé donc de partir en totale autonomie. Nous avons établi des points GPS pour accéder plus facilement aux rivières et perdre moins de temps. Et surtout, ce voyage en autonomie nous permet de partir pour la somme de 580 euros par personne, tout frais compris. Nous avons choisi donc de ne pas pêcher les rivières payantes de ces deux comtés. Nous espérons trouver de meilleures conditions de pêche que ce que nous avons en France avant notre départ, à savoir très peu d'eau pour la saison. Nous avons choisi de débuter notre périple par la rivière Moy, une rivière réputée surtout pour la pêche au saumon. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les truites. Donc nous allons la pêcher sur la Haute Moy, pratiquement à sa source. Malheureusement, nous allons vite déchanter. Voilà. Première matinée découverte donc de la rivière Moy. On entend Mossad. Donc deux techniques utilisées, mouche et leurre ce matin. On va voir ce que ça a donné. À notre arrivée sur place, nous constatons un niveau relativement bas. Il y a très peu d'eau et les premières truites qui vont être attrapées sont des truites-elles. On n'est pas venu pour ça. Il est difficile et voire impossible de pêcher au leurre et seuls donc nos amis moucheurs feront quelques truites dont la plus belle devrait faire 20 cm. Putain mais il a mis du temps à démarrer. Vas-y couette, fouette, t'es filmé. Elle tape trop ta soie là. Oh joli, en live. Sérieux? Eh oui. Mais bien sûr. Mais oui, baby fish. Là, il y a du petit partout. Vas-y Guélo. C'est un bébé. Mon bébiche. Il est le premier. Bon là je vais partir. Petit bisou. On va parler dans les arbres. Et hop là. La partie. Le marron, couette. Oh non! Décroché! J'ai trop les boules.
La rivière Moy prend sa source sur les montagnes d'Aux, dans le comté de Sligo. Elle coule dans le sud-ouest, direction le petit village de Banada, dans le comté de Sligo. Après cette ville, elle passe dans le comté de Mayo. La Moy change ensuite de direction et s'écoule vers le nord, à travers les villes de Foxford et Ballina, la capitale du saumon en Irlande. La célèbre Moy se jette ensuite dans la mer, à travers un estuaire qui chevauche la frontière Mayo-Sligo. Face à cette situation, nous décidons plutôt que prévu. Magnifique décor irlandais, une route perdue... milieu des pâturages. Allez, c'est parti, les gars. Première rivière irlandaise. Vous avez 8 loulous qui montent à sa canne. Décor magnifique. Alors, il fait froid, hein, grand vent, pas idéal pour les conditions de pêche sur le lac. Et on va aller voir le début de la rivière Esky. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau! Donc, je vous présente à la source de la rivière Esky. De nous rendre au lac Esky. Ce lac des montagnes d'Aux est un lac du comté. La rivière en elle-même, une superficie de 1,3. Le lac. Vous en avez fait ? Moi, j'ai fait une. Une troisième. J'en ai fait trois ici et une au top. Ils vont commencer à nous énerver quoi. Et j'ai laissé deux leurres au fond aussi. Ça c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est un lac qui se trouve à une altitude de 180 mètres et couvre une superficie de 1,19 km². C'est un endroit magnifique. La route pour s'y rendre, d'après les images que l'équipe a pu voir, est assez fantastique et offre un paysage paradisiaque. Dans ce lac se trouve la truite brune bien entendu, mais également du saumon. Fait pas très beau, mais bon, grâce au camion là-bas, je suis un peu à l'abri. José, t'as fait une bonne matinée avec ton président ? Impeccable. Hein ? Impeccable. Il y a pas besoin de marquer avec un stylo pour nous deux, donc c'est le nom de truite. Pas besoin. Yeah! Woohoo! Woohoo! Le noir! T'as une couleur magnifique, hein? Tu l'as pas vu? Oh, fais mon fils. Oh, c'est un petit saumon. Ah oui, c'est un tacon. Une truite du lac Esky. Magnifique truite, quand même. Elle est partie, parti. Fiche, un tout petit fiche.
Une quarantaine de truites seront sorties du lac. Malheureusement, la plus grosse fera 22 cm. Par contre, on a passé un moment entre potes dans un cadre idyllique. Nous nous retrouvons le lendemain sur la Gulfstream River. Cette rivière est un important affluent de la Haute-Mosse, située entre Bohola et Swinford, avec le Polag et le Glore comme affluent du Gulfstream River. Cette rivière calcaire possède un grand stock de truites brunes. Pas forcément très grosse, allant de 250 grammes à 700 grammes, mais il y a parfois des pêcheurs qui racontent en avoir pris de plus d'un kilo et demi. Cependant, là aussi, nous trouvons un niveau très bas, un peu plus important que sur la Mosse, mais les truites que nous allons attraper sont identiques à celles de la ville. À part une truite du 25 cm, qui aura la gentillesse de venir nous croiser, nous sommes encore une fois très déçus. Notre ami Jules Bambou, pourquoi? Parce qu'il construit des cannes en bambou refendu, d'une très grande qualité et d'une très grande beauté. Il fera justement piller le bambou, et là aussi, avec des truites un peu plus grosses que la veille, mais qui n'ont rien de fantastique. Même si elles offrent un combat qui est assez sympathique. Yes, c'est direct live. Tu es pisette. José en a décroché une. Putain. Il en a décroché une. Putain de merde. Monsieur. Ouais. Ouais. Changement de programme et retour dans le comté de Sligo, plus particulièrement sur la Ifuin River. Comme on peut voir, cette rivière très calcaire a dans son lit d'énormes herbiers, ce qui rend la pêche au top de valeur énorme et extrêmement difficile. On ne peut pas rentrer dans son cours d'eau, ou très fait que nous sommes obligés de pêcher à travers les barbelés. Et comme ici, Bernard, il n'est pas facile de sortir là et de la remettre dans son milieu naturel avec le plus de soin possible. On voit ici une magnifique truite à la robe irlandaise. Les truites de taille moyenne, entre 22 et 25 cm, voire 28-30, vont s'enchaîner dans cet après-midi. On retrouve un petit peu de joie et de goût. José se fera casser par une belle. Joli! Ah putain, décroché! Alors, faut pas que ça vous décourage de venir sur la Ifuin River. Bien au contraire, si vous voulez des très gros poissons, il y a des très gros poissons, comme l'a confirmé un pêcheur qu'on a croisé qui vient ici depuis 35 ans. Ah, fiche, petit fiche. Fiche à quoi de pénal? Voilà. Après cette magnifique éclosion sur la rivière, Pascal aura la chance de tenir au bout de sa canne à mouche une magnifique fario à la robe dorée, typique des truites irlandaises, celle que nous sommes venus chercher. La Bonnet River, tout près de notre gîte, est connue et réputée pour la pêche au saumon. Et il y a bien entendu des truites, mais elle est payante sur tout son long. Donc, malgré sa proximité avec notre logement, nous l'avons laissée de côté. Mais on vous laisse admirer le magnifique paysage de la campagne irlandaise et de la Bonnet River qui coule au milieu de ses pâturages. Nous décidons le lendemain de partir sur la Bonnet River que nous avions fait pour quelques-uns il y a 4 ans et qui nous avait amené pas mal de satisfaction. On connaît bien, donc on était venu. Sur les 20 mètres du début de parcours, normalement, il y a une truite. Et là, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Donc ça risque d'être difficile.
si la pêche est difficile pour les gars au leurre, elle est un peu moins pour les gars au toc, qui vont faire des truites entre 20 et 25 cm, mais ça va leur redonner le sourire. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises, car sur le bas et le haut du parcours, au niveau de la ville de Boyle, énormément de gardons. Phénomène nouveau que nous n'avions pas rencontré il y a 4 ans. On ne vient pas dans ce pays pour attraper des gardons. Nous savons que nous pouvons rencontrer des perches et des brochets dans toutes les rivières irlandaises, et notamment sur la Boyle. Mais les gardons, nous sommes fort surpris et beaucoup déçus. Pêcheur de gardon, couette. Quand même. Notre groupe touchera enfin ses premières truites sur le coup de 11 à l'approche du parcours sur le secteur de la ville. La Boyle est une rivière qui coule sur 64 km pour se jeter à Carrickshannon dans la Shannon River. Mais son parcours le plus intéressant pour la pêche à la truite se situe donc sur la ville de Boyle. Voilà. Le poisson du président. Buena salada. Il est là le poisson, Rumi. Il y avait la salade et tout. Ah ouais. Elle a dû venir taper. Pêche en ville. Sur la Boyle. Allez. La lâche pas. Ne la lâche pas. Elle t'a coupé, oui. Elle t'a coupé. C'est ici que t'avais fait la belle. Plus loin. Fuck. Tu ne peux pas enlever la gueule. Ça veut pas. Tu l'aimes, non? On l'aura. Attends, tranquille, ça c'est beau. Fais gaffe le caillou. Yes! Ça c'est mieux! Ça c'est mieux! Énorme! Eh, elles sont grasses ici, mon porc. Je te dis celle de 51, mais c'est énorme. Hein. Beau poisson. The only thing I'd feel is less alone, less alone. Je vous laisse admirer la robe magnifique de ce truc avec ses immenses points noirs, c'est fantastique. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. Autre mauvaise surprise de l'après-midi. En effet, la rivière a subitement baissé. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être ont-ils fermé les vannes. Voilà, les moucheurs feront quelques truites, montagnes, perches, brochets et quelques petites fidèles. Mais rien de fantastique à son exploit. Mais nous avons choisi de rester sur la Boyle car aujourd'hui c'est jour de ravitaillement. Less alone. Less alone.
Le groupe qui a, quant à eux, choisi à bon escient la Yushin River. Ils ont retenté leur chance et ils feront de très beaux poissons, entre 30 et 35 cm, comme cette belle dame qui regagne son lit et qui reste là, blottie contre le rocher, en attendant de repartir. Se cacher au milieu de ces grands herbiers. Le bilan de la journée est le plus positif depuis notre arrivée sur la terre irlandaise. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my... So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart. Au vu des circonstances et au vu de ce que nous avons pu constater par rapport au programme que nous souhaitions réaliser, nous décidons de revenir tout de même sur la boule le lendemain, car c'est la rivière qui nous offre le meilleur débit à nous. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone. L'abbaye de Boyle est mondialement connue. C'est parfois bizarre de se retrouver derrière et de pêcher le cours d'eau. Mais on s'y fait très vite, surtout quand Dame Fargo est au rendez-vous. Notre pépé national s'essaye à la nymphe au fil. Et après un petit raté, il sortira sa première petite truite. Pour lui, c'est une belle réussite. Et il en est tout heureux. Pépé avec une truite. Heureux. Bravo! À la nymphe au fil. Allez, je te l'épuisette. Voilà. Hey, hey. La truite à pépé. Enculé. Oh, pété. En ce jour si particulier pour moi, mercredi 22 mai, je vais laisser un beau poisson qui aura gagné son combat et m'aura fait une belle casse. Je vais peigner et repeigner ce coin. Je vais sortir pas mal de truites. Entre 20 et 25 cm, voire des fois plus petites. Et puis soudain, c'est la belle. Celle qui illuminera ma journée, me rendra heureux et que je remettrai avec beaucoup d'émotion après un petit bisou dans son milieu naturel. Vous voulez du fond ?
J'arrive à la monter. Tu la vois? C'est pas enculé. T'as vu? Non, t'as, elle se barre. Tu la vois? Mets l'épuisette dans l'eau d'abord. Ah, t'as le crâne de mon épuisette. Ouh, merci beau poulet. Elle est magnifique. Merci. Bon attends. Ah la voilà la truite de Matisse. Montre-moi-le, le verre. Meeting en action. Oula. Et voilà le chantier. Vas-y mollo hein. Regarde. Attention. Take a look behind yourself, see the puzzle which make up your life. Many threads of coincidence, just like waves in the end of your mind. And you're gone away, leaving sheets of your. De retour au gîte, un groupe décidera de ne pas se rendre sur la rivière le lendemain, mais plutôt de se rendre dans le Donegal afin de visiter les magnifiques paysages irlandais. Les mouchoirs reviendront sur la Boyle pour le troisième jour d'affilée. Les mouchoirs se rendront sur la Boyle pour le troisième jour d'affilée. Et ça sera un bon choix. Quant à nous, on décide de se rendre sur de nouveau sur la Boyle, mais beaucoup plus bas, où elle est beaucoup plus large. Et surtout, où il nous faudra débourser 60 euros pour la demi-journée. Réputée pour être un poule à saumon fantastique, on nous l'a vendu également comme possédant un bon stock de grosses truites brunes. Allez, allez.
l'excursion. Regardez la belle gamelle qui arrive. Fais coucou à la caméra. Nous allons vite déchanter. En arrivant, nous voyons un niveau d'eau vraiment bas. Malgré sa largesse, nous pouvons aisément la traverser. Guénaud et Couette feront un festival au toc, mais la plus grosse truite fera 22 cm. Ils se permettent même de faire des loups. Nous croiserons un Irlandais, un habit typique du pêcheur à saumon, à savoir costard cravate, qui tiendra dans sa main un magnifique saumon baguille de 80 cm. On tentera bien notre chance, on verra deux ou trois de ces spécimens nous sauter devant le nez. Faut dire que nous ne sommes pas équipés pour cette pêche. Et n'aurons pas la chance non plus de croiser Dame Fario. Quand je dis Dame Fario, je parle de truites de belle taille. Ça fait un peu cher la demi-journée, mais nous avons au moins tenté notre chance. Thank you.
Quant aux moucheurs, eux, sur la boil, là, ils feront une quantité de truites, et notamment de belles tailles. Pas mal de truites entre 30 et 35 cm, dont cette dernière qui nous offre un magnifique spectacle en repartant dans le milieu. Nous choisissons de retourner sur le Yushin River pour le dernier jour, en espérant faire quelques beaux poissons pour notre dernière journée en Irlande. Yushin River. Non. Quelqu'un veut pas me l'épisoter ? Mais oui, mais j'arrive pas là. Putain, elle s'est foutue dans les... Je peux pas, elle s'est foutue dans les herbes. Regarde. Merci. La chasse au nénuphar plutôt que la pêche à la truite, mais il y a des truites. C'est très gros ce qu'on a fait. Moi j'en ai vu une belle par contre en balle. Il m'a suivi là. Vu que je passe en très proche, ouais, c'est de 25 par là. Ah, il doit y en avoir là parce que j'en ai décroché une, elle doit être. C'est Guigny qui fera un magnifique poisson pour terminer notre sur les terres irlandaises. De plus, cette jolie dame à la robe typique nous offrira un dernier au revoir en restant là, posée devant notre caméra pour nous dire à bientôt et surtout pour qu'on se souvienne d'elle. Bien entendu, nous n'avons pas passé le séjour que nous espérions. Nous avons touché du poisson, mais surtout de petite taille. Bien sûr, on n'était pas venu spécialement chercher du poisson trophée, mais on s'attendait à autre chose. On a eu la chance d'avoir des mauvaises conditions avec des niveaux d'eau très bas. Mais on a eu aussi le loisir de pouvoir tester notre méthode de séjour en autonomie avec nos points GPS qui nous ont amenés en deux temps trois mouvements sur nos lieux de pêche.